Hello les crâniens, aujourd'hui une vidéo différente. On sort dans la rue pour faire de la magie. Allez, c'est parti. Voilà, on a juste besoin de Smarties. Bon, il est mercredi, on est en plein après-midi, il fait super beau. Je pense que c'est le meilleur temps pour aller faire un peu de magie. Allez. Putain, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants, ils finissent pas à midi et demi. Je pense qu'on irait voir lesquels là. Il y a des jeunes juste à gauche, des gens souriants juste à droite. Oups, on les a mis dans la photo. J'ai aucune idée. Je stresse, je suis vraiment anxieux. Ah si, je vois un groupe de 3 demoiselles à droite qui vont arriver. Ou 4 même. Putain, ça fait beaucoup 4. Hein. Non, c'est 3. Hein. 3 hein. Non. C'est dur de me faire ça. Non. Mais j'aimerais bien avoir des jeunes, mais pas trop jeunes non plus. Parce que sinon, ça fait un peu genre super suspect, hyper illégal en fait. Putain, j'ai même oublié ma phrase d'approche. Bonjour. S'ils marchent trop vite, c'est-à-dire qu'ils sont pressés, ils sont occupés. Et puis le moment où on a lancé la vidéo, il n'y a plus personne. C'est magnifique. Ça me fait ultra stresser de ouf. Il y a un groupe de gens qui viennent par là. Là, ce sont des mères de famille. Ouais, je vais essayer avec eux. Bonjour, je suis magicien et j'aimerais bien tourner une vidéo pour YouTube. Est-ce que ça vous dirait de m'aider? Non, merci. Pas de problème, merci. Hein. Passez une bonne journée. Voilà, c'est un premier test. Je vais essayer avec ces gens-là. D'accord? Non. Soudainement, j'ai eu peur. Derrière, il y a des gens qui ont l'air très souriants en marchant. J'ai tenté le coup alors. Ok? Ça marche? Ouf! Allez, c'est parti. Bonjour, je suis magicien et j'aimerais bien faire un tour pour YouTube. Est-ce que vous serez les personnes qui me dites oui? Ouais. Ah bien, merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle déjà Ali et je vais faire un tour de mentalisme. Tout le monde a un peu sa propre définition. Moi, la mienne, c'est déduire et influencer des choix qui sont non-verbaux. C'est-à-dire vous montrer des choses sur votre visage. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Et la grande question, c'est qui d'entre vous deux voudrait se faire mentaliser? Ouais, je veux bien. Vous voudriez bien? Ouais. Deuxième grande question, est-ce que vous voudriez rester, on va dire, de son côté ou bien vous voudriez venir de mon côté pour voir et lire son visage? Moi, je veux bien faire ça. Vous voulez bien faire ça? C'est bien, c'est marginal comme choix. Hein. Venez de mon côté, merci beaucoup. Et comme tout magicien, eh ben, parfois ils utilisent des pièces et tout ça. Eh ben, c'est un grand cliché parce que je vais aussi utiliser un paquet de cartes. Juste montrer que toutes les cartes sont bien différentes. Est-ce que vous allez faire? Vous allez même mélanger. Vous savez comment mélanger? Oh, il y a le mélange à la française, je peux vous montrer. C'est simplement comme ceci. Vous prenez un paquet de cartes et vous le mélangez. Ou bien vous savez mélanger, monsieur? Vous avez plus d'expérience, peut-être? Allez, c'est parti. Vous pouvez mélanger à ma place, alors. Et je ne regarde pas. C'est bon? Voilà. Juste me tenir le paquet, merci. Vous pouvez même couper une dernière fois. Oui. Oui, prendre un paquet de cartes et puis le remettre par-dessus l'autre. Merci bien. Et vous allez me dire stop quand vous désirez. Stop. Ici, vous êtes sûr? On peut aller plus bas ou plus vers le haut, non? On peut prendre la carte et vous la remettez où vous avez envie. Vous avez fini? Ouais, vous pouvez même mélanger le paquet. Voilà. Et on va le ajouter à l'intérieur. On range et on n'en a même plus besoin. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Donc j'ai besoin de savoir certaines choses à propos de vous. Imaginez simplement dans votre esprit, vous avez un interrupteur, vérité et mensonge. Vous le mettez sur la vérité et vous ne me dites que la vérité à partir de maintenant. Comment vous appelez-vous? Quel est votre mois de naissance? Décembre. Et dans quelle ville on se trouve? Vous entendez un peu l'intonation de sa voix? C'est important. Et maintenant, mettez ce switch en mensonge. Comment appelez-vous? Comment appelez-vous? J'ai fait fort. C'est pas si facile, hein? Non, parce que tu penses directement, mais Lucie. Lucie, quel est votre mois de naissance? Janvier. Et dans quelle ville êtes-vous déjà parti en vacances? Au Portugal. Au Portugal. On a plus ou moins fait un profil de vous. On va directement essayer de récupérer votre carte. Donc imaginez maintenant dans votre esprit, vous avez une toile. Sur la toile, vous avez dessiné votre carte. Sur la carte, il y a une couleur et un symbole. Maintenant, vous l'imprimez dans votre esprit. J'aimerais que vous me dites rapidement noir-rouge, 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 sans essayer de me donner des indices. Allez-y. Rouge.
noir, rouge. Stop. Vous avez entendu quelque chose de spécial? Non. Non? Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai entendu, moi. J'extrapole pour que ça soit plus compréhensible. Noir, rouge. Vous accentuez et vous fermez sur le rouge. Donc j'ai envie de dire que c'est une carte noire. C'est un bon début, on a une chance sur deux quand même. Hein. Maintenant, parmi les cartes rouges, noir. Je voulais dire noir. Il y a deux types de cartes. Vous avez les piques et vous avez les trèfles. Vous vous souvenez de laquelle c'était? D'accord, vous l'avez bien imprimé. Et vous allez me dire maintenant trèfle-pique, très rapidement. Trèfle-pique. Ok, vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous voulez. Pique-trèfle, c'est peut-être plus facile. Bah, peu importe. Pique-trèfle. C'est bon. Comme j'explique en plus ma procédure de pensée, elle va d'office y penser en se disant « Ah, je vais essayer peut-être de calmer le son ». Et moi, ce que j'ai entendu, quand vous m'avez dit « pique-trèfle », c'était beaucoup plus compréhensible pour moi. Le « pique » passait très rapidement. Comme maintenant, si vous vouliez ne pas le dire, du coup, ça faisait « pique-trèfle », et vous vouliez le cacher. Donc, j'ai envie de dire que cette fois-ci, c'est le « pique ». Une chance en quatre, encore une fois, c'était un peu… Voilà, tout le monde pourrait le faire avec quatre personnes au pif. Maintenant, c'est le plus dur. On a 10 chiffres ainsi que valet, dame, roi. Maintenant, j'aimerais bien que vous me dites, pas forcément rapidement, à l'allure que vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. C'est bon. Vous avez vu quelque chose sur son visage? De l'hésitation. De l'hésitation. Avant le 6, elle a été vraiment très rapidement et son visage ne montre pas vraiment quelque chose. Pas de la joie, pas de la déception, juste elle va aller rapidement. Elle a commencé à rigoler vers la fin, valet dame roi. En général, on rigole pas pour dire la carte. J'ai une hésitation et j'aimerais bien juste que vous me regardiez, d'accord? 6, 7, 8, 9, 10. Vous l'avez vu? Il y a eu un petit sourire, exactement. Sur la vidéo, on peut voir que la mademoiselle commence à sourire vers le 9. Mais de mon point de vue, elle commençait déjà à sourire vers le 8. Vous avez un léger sourire au niveau, je dirais, du 8. Parce que c'était bien ça. Oui. Donc c'était le 8 de pique. Oui. J'espère que ça vous a un peu appris quelque chose. Oui. La prochaine fois, d'ailleurs, quand vous lui poserez une question, vous le regarderez droit dans les yeux, genre « Ah ouais? T'as mangé où hier? Quoi ?» Et en ce moment, je débute sur YouTube à faire des vidéos. Je fais souvent plus des vidéos de casse-tête. Bon, actuellement, ma copine est en train de filmer avec mon GSM. Du coup, j'ai uniquement ce genre de GSM-là. J'ai pas eu le temps d'imprimer des cartes de business. Du coup, je voudrais bien vous enfiler une. Et si jamais vous passerez simplement voir sur ma chaîne, on voit pas très bien sur l'écran du smartphone à cause du contre-jour. Alors je vais juste faire l'effet ici pour que vous compreniez. Je n'ai pas assez d'encre chez moi pour pouvoir imprimer des cartes de visite, mais du coup je l'ai mis sur mon smartphone, regardez. Et ensuite il suffit simplement d'imprimer. Quoi, au moins vous apparaîtrez sur la vidéo. Okay, ça ferait plaisir. Alors. Mais je vous oblige à rien du tout. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et d'avoir partagé un peu de votre temps avec moi. Merci à vous. Passez une bonne journée à vous les deux. Hein. Au revoir. Ouf. C'était stressant. Je remercie les deux gentilles personnes qui ont accepté ma requête. Ça m'avait fait très plaisir. Merci encore. Je vais prendre une glace. Ouh. J'ai les mains qui tremblent. C'était mon premier. J'ai les mains glacées. T'as les mains glacées toi? Oui. Tu veux faire quoi? On va manger une glace et puis on va à ton expo? Non, t'inquiète, pour l'expo, de toute façon, ça va bientôt fermer. Non, c'est vrai? Oui. T'aurais dû me le dire. Enfin, bientôt fermé, ça ferme à 18h. Quoi. À 18h? Bon, on y va maintenant. Allez, c'est parti. Vidéo tutoriel, comment manger une glace. Non, ma glace. Voilà. Oh, je fais froid. Putain, mais ramasse pas des crottes. C'est pas une mort des crottes. Les balançoires sont déjà tous pris, hein. Oui, mais il y a trop d'enfants sur la balançoire. C'est pour les petits-enfants. Je suis encore petite. Non. Si. Que dalle. Si. Dis au revoir à la balançoire. Balançoire, je reviendrai. Tu reviendras? Oui.
Quand on aura Pokémon Go à nouveau. Je jouerai plus jamais à ça, moi. Qu'est-ce que t'as encore pris? Ah, pas moi. Salon des tissus. Ouf. T'en pensais quoi de l'expo? Il y a des tissus partout. C'est tout. Pour le prochain tour, ce n'est pas moi qui me suis approché des gens, ce sont des clients à mon lieu de travail, un magasin de jouets pour enfants, qui sont venus vers moi, donc je n'ai pas pu filmer le début. Et il s'avère que l'un des deux enfants est son anniversaire ce jour-là. En ce moment, en fait, je fais des petits tours de magie dans la ville. Et est-ce que ça te dirait que je t'offre un petit cadeau d'anniversaire alors? Ouais. Tant qu'à faire. Je pense que c'est la mode maintenant partout dans l'école, ce sont les Rubik's Cube. J'en ai déjà vu, mais dans notre école, c'est pas souvent. Je vais te donner un petit truc. Ouais. Et en plus, c'est ton pote, donc tu vois. Oui, c'est ça, regarde. Juste besoin d'avoir de ta main comme ceci. Et on a besoin d'avoir un petit clic comme ça. T'es prêt? Ouais. T'es prêt d'avoir ton cadeau? Ouais. Un, deux, trois. Merci. Oui, à chaque fois, c'est une boîte de Smarties que tu recevras. Vous avez des témoins, des gens qui... Il fonctionne super bien, garçon. Bah oui, voilà, monsieur l'a dit. Hein. Écoute, t'étais un peu triste du jouet? Regarde, je vais te montrer un truc. Ouh là là. Je vais te montrer un petit truc pour te rendre le moral. Est-ce que je peux te prendre ceci un petit instant, mon garçon? D'accord? Je les mets là pour éviter de les casser. Je peux les remettre dedans? Oui, monsieur. Est-ce que tu peux me donner tes deux mains? Est-ce que tu sais c'est quoi un Rubik's Cube? Non. Tu vois pas c'est quoi? Oui, c'est les cubes. Tu dois faire la page avec... Pour les petits garçons comme toi, j'en ai un tout petit. Ouh. Tu vois? Et je vais te montrer quelque chose. Reste bien comme ceci, d'accord? Bien à plat. Voilà. Est-ce que t'es prêt, mon garçon? D'accord? Certain? Oui. Un, deux, trois. Oh. Ça, alors? Bah moi j'ai eu peur. T'es courageux, t'as même pas bougé mon garçon. Dis-toi mon grand. Merci. Je t'en prie. C'est qui? Monsieur. Ah. Oh, aujourd'hui, je suis totalement claqué. C'était une journée fatigante mais hyper enrichissante. Sortir de sa zone de confort de temps en temps, ça fait... C'est stressant. Je me suis... Oh! Ça me rendait anxieux. Avoir les réactions que j'ai eues, ça en valait la peine. Et pour l'histoire avec le garçon qui pleurait, avec sa grand-mère, il venait de sortir d'un magasin de jouets et il avait fait tomber son petit jouet. Et le pauvre, il venait de pleurer et il pensait qu'il était cassé. Donc je suis venu vers lui, j'ai ramassé son petit jouet, je crois que c'était un pingouin ou un éléphant, je me souviens plus. Et après l'avoir réparé, il avait un super large sourire, ça me faisait super chaud au cœur. Et je me suis dit, tiens, je vais juste surenchérir ça avec mon petit tour. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'a pensé l'enfant, mais bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de lui faire ça et ça vaut tout. Ça vaut vraiment tout. Mon bras droit, il commence à fatiguer, donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.